Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un tuto paperasse. Ça sera pas un tuto, malheureusement, de manipulation d'armes. Pourquoi? Parce que en tant que tireur sportif et en tant que possesseur d'armes de catégorie B, la paperasse fait partie de notre quotidien et complètement obligatoire. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, parce que vous savez lire, je suppose, sinon vous allez être embêté pour pouvoir justement accomplir ce tutoriel. Il s'agit de gérer correctement la demande de catégorie B, donc la méthode et les documents à fournir, et à jour depuis donc le décret du 1er juillet 2020, puisqu'il y a quelques petites choses qui vont changer. Donc ce tutoriel est valable hein, pour les demandes ou les renouvellements donc d'armes de catégorie B. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce qu'on me l'a demandé tout simplement, et puis parce que moi-même, à chaque fois, j'en fais pas souvent, mais à chaque fois que je fais cette démarche, j'ai des trous de mémoire, il y a des choses où je doute, je sais pas faire, etc. Quand j'ai commencé le tir sportif, j'aurais bien aimé avoir une vidéo explicative comme ça. Donc voilà, je vous la fais, et puis ça évite aussi de voir, enfin de faire des erreurs, puisque vous savez hein, comment ça fonctionne sur les forums ou les commentaires des réseaux. On peut avoir pas mal de réponses et beaucoup de mauvaises réponses, et ça évitera aussi de déranger les gérants de vos clubs de tir qui sont bien occupés, ou alors tout simplement si personne répond à vos questions, j'espère le faire. Voilà. Avant d'attaquer sur comment remplir le fameux formulaire, on va rappeler quelques principes de base qui ont un lien justement avec les demandes de catégorie B. Justement, à partir du 1er juillet 2020, il y a donc l'abandon du carnet de tir. Donc je disais, il ne sera plus à fournir pour vos demandes, sauf pour la première. Pour la première, vous devrez le fournir quand même. S'il n'y a plus de carnet de tir au moment où vous faites votre demande, hein, vous avez quand même l'obligation de 3 séances de tir espacées de 2 mois, comme à l'époque en fait, comme avec le carnet de tir, sauf que ça n'a plus la notion de l'appellation de tir contrôlé. Donc pour ce qui est par contre d'un renouvellement d'autorisation, donc je vous rappelle que les autorisations d'armes de catégorie B durent 5 ans, donc tous les 5 ans il faut les renouveler, refaire cette démarche. Il n'y a donc pas besoin de fournir le carnet de tir, et là pour le coup ça sera à la charge du président du club de tir de veiller à la pratique régulière justement de ces séances de tir, peu importe la forme hein, de ces séances de tir, et ça pendant toute la validité des détentions. Hein, voilà, donc pendant les 5 ans de validité de votre détention, il faudra démontrer finalement chaque année de tir sportif, une certaine assiduité. Voilà. Donc le président a différents moyens pour faire ceci. Maintenant que le décret est déjà passé, on a un peu de recul sur la situation. Donc souvent, c'est donc des cahiers d'assiduité. Donc ils vont noter, eux ou vous, mais souvent sous contrôle, vos présences au stand de tir pour justifier que vous pratiquez bien le tir sportif. Plusieurs fois par an, ou alors carrément ils ont gardé le système de tir obligatoire hein, par trimestre, voilà, mais bon, il n'y a plus de tampons sur votre carnet en gros, sinon dans certains stands de tir quasiment rien n'a changé, voilà. Alors je vais vous faire la liste des pièces à fournir pour votre demande de catégorie B. Alors là je vais vous les dire, mais évidemment je vais aussi vous la mettre dans la description, la liste, et je vais vous mettre aussi les liens de mes sources, de mes informations, pour que vous puissiez y retrouver, que vous n'ayez pas besoin d'écouter ma voix à chaque fois que vous auriez une question sur votre dossier. Voilà. Donc il y a le CERFA numéro 12-644-04, donc rempli. Donc il précise lisiblement. Ça, je pense que c'est vraiment hein, le gouvernement français qui a mis cette mention spécialement pour moi, puisque j'écris très mal. Donc je me sens particulièrement concerné. Donc je comprends pourquoi il le précise, hein, ça paraît bête, mais des fois c'est utile. Donc, daté et signé. Donc, faisant connaître du coup les armes que vous possédez déjà. Donc, si vous êtes dans le cadre d'un renouvellement. Pourquoi je dis que dans le cadre du renouvellement? Parce que les armes de catégorie C ne comptent pas. C'est-à-dire que dans le document, on va vous demander quelles armes vous possédez. Si vous avez des armes catégorie C, vous ne les citez pas. Voilà, puisque c'est un formulaire pour les armes de catégorie B. Vous pouvez le faire, hein, ça coûte rien, mais bon, c'est pas obligatoire. Tout en sachant, je rappelle que vous pouvez posséder 12 armes catégorie B maximum. Ensuite, un certificat médical de moins d'un an, attestant que votre état de santé physique et psychique est compatible avec la pratique du tir sportif, et tout simplement, du coup, vos deux détentions d'armes et de munitions. Évidemment, pas besoin de faire ça
si votre licence sportive est à jour et qu'elle a nécessité du coup une visite chez le médecin pour avoir le fameux tampon du médecin. Donc du coup en fait on n'utilise quasiment jamais le cas d'un certificat médical. Il y a des dispositions spéciales pour les personnes ayant eu des soins psychiatriques, etc. Je vous mettrai ça dans la description, la démarche, puisque ça concerne une petite partie de personnes et du coup je vais pas m'attarder là-dessus. Un justificatif d'un système conforme au stockage des armes à votre domicile. Donc ça peut être un coffre-fort, une armoire forte, une pièce forte avec porte blindée. Hein, c'est pas, par exemple, fermer votre porte de chambre qui est une porte classique n'est pas considéré comme une pièce forte, tout simplement. Voilà. Alors une copie de pièce d'identité au cours de validité, ça on y est habitué. Alors carte nationale d'identité, CNI ou passeport, ou titre de séjour en cours de validité pour les ressortissants étrangers. Justificatif de domicile de moins de 6 mois, donc ça peut être l'avis d'imposition, quittance d'électricité, le téléphone. Un extrait d'acte de naissance de moins de 3 mois avec les mentions marginales. Donc ça se demande en ligne hein, directement, c'est très facile sur les sites officiels et c'est gratuit. Une copie recto-verso de la licence de tir qui du coup doit être en cours de validité, tamponnée et remplie au dos par un médecin. Et signé par vous aussi, il faut que vous signiez votre licence. L'original de l'avis favorable délivré par la Fédération Française de Tir, donc appelée plus communément la feuille verte, et cette feuille verte doit dater de moins d'un an. Donc si vous ne possédez pas, je reviens sur un point de tout à l'heure, hein, mes notes ne sont pas forcément dans l'ordre, mais c'est pas grave, ça permet de vérifier si vous suivez. Pour la justification d'avoir un système de stockage d'armes conforme à votre domicile, il faut fournir soit la facture du coffre-fort, soit une attestation sur l'honneur, datée et signée, que vous pouvez facilement trouver aussi sur le site de la préfecture, attestant que du coup vous avez un dispositif adéquat. Ça c'est facultatif, mais fortement recommandé. Votre numéro de téléphone et ou votre adresse mail, le mieux c'est de mettre les deux. Je vais vous prendre un exemple personnel, il n'y a pas longtemps j'ai fait mes renouvellements d'armes, et justement, comme c'était la première fois que je faisais un renouvellement, eh ben, j'ai tout simplement oublié de fournir les originaux de mes armes, hein, forcément, puisque d'habitude, quand c'est une catégorie B, nous, on n'envoie aucun original à la préfecture, c'est la préfecture qui nous envoie des documents. Nous, on envoie des originaux comme la feuille verte quand on va faire notre demande d'autorisation à la préfecture, mais on n'envoie pas nos originaux. Voilà, donc j'ai tout simplement oublié de les envoyer, et justement, le fait de mettre mon téléphone et mon mail a servi à la préfecture pour me contacter rapidement et facilement au lieu de faire un courrier, etc. C'était fort agréable, pratique, et puis ne vous inquiétez pas, ils ne se servent pas de ces coordonnées pour vous envoyer de la pub. Évidemment, du coup, note à moi-même l'originaux des autorisations à renouveler si c'est un renouvellement que vous voulez faire. Ensuite, si vous êtes mineur et que vous participez à des concours internationaux, il faut la preuve de la sélection à ces concours. Ou alors, si vous êtes mineur, donc de 12 ans ou plus et ne participez pas à des concours, il faut l'attestation d'une personne exerçant l'autorité parentale sur vous, mentionnant que l'arme est détenue pour la pratique du tir sportif. Moi, encore une fois, c'est un conseil que je vous donne, quand vous faites votre demande d'autorisation et encore plus votre demande de renouvellement, puisque vous allez envoyer l'originaux de vos armes, de vos autorisations de détention, faites tout en lettres recommandées déjà, parce qu'en termes de délai, vous avez des preuves de l'envoi du courrier. En général, les recommandés ne se perdent pas et vous avez un suivi. Donc ça va vous coûter 5-6 euros, mais au moins ça arrive vite, c'est sûr et fiable, et vous avez une preuve en cas de problème. Moi, je fais toujours comme ça et je vous conseille de le faire, puisque il est pas rare d'entendre que des autorisations de détention se sont perdues dans le cadre d'un renouvellement parce que c'était pas envoyé à lettre recommandée. Là, la personne se retrouve vraiment biaisé, pour rester poli, voilà, j'ai bien dit biaisé. La demande de renouvellement, on parle de renouvellement encore une fois, doit être envoyée au plus tard 3 mois, donc c'est pas 6 mois, c'est pas 1 an, c'est pas 12 ans, comme on entend sur les réseaux, c'est 3 mois avant la date d'expiration de l'autorisation, donc cette date, vous la retrouvez en haut de votre autorisation de détention, elle est assez facile à trouver. Et donc encore une fois, l'intérêt de la lettre recommandée, c'est effectivement que vous avez la preuve comme quoi vous avez bien déposé le courrier avant les 3 mois. Hein, comme ça, si la préfecture perd le courrier ou l'oublie, enfin peu importe, ils vont pas dire vous l'avez envoyé il y a une semaine, vous aurez la preuve que vous l'envoyez à temps. Donc si vous ne déposez pas de demande de renouvellement, il faudra du coup vous dessaisir de votre arme ou la faire neutraliser ainsi que les munitions
correspondante. On va maintenant passer au formulaire et vous verrez plus ma tête. Je suis désolé de vous. Voilà, je sais que vous êtes triste, mais bon, c'est pas grave. On va zoomer sur le formulaire pour qu'on puisse suivre ensemble comment le remplir, les subtilités, etc. Et il y en a des subtilités. Vous avez ici en haut deux cases, donc il faut en cocher une. Donc soit pour l'autorisation, soit pour le renouvellement. Donc ici, hein, je ne vais pas trop vous expliquer, ça ne sert pas à grand chose. Donc ces lignes correspondent donc à un nombre d'armes. Donc là, vous avez trois lignes. Donc c'est trois armes maximum, d'après ce que j'ai pu comprendre. Vous pouvez me corriger dans les commentaires, il n'y a aucun problème. Mais de ce que j'ai compris, voilà, c'est trois armes maximum. Donc j'ai mis une croix là-dessus, tout simplement, parce que si vous faites une demande d'autorisation, et pas un renouvellement, hein, si vous faites un renouvellement, il faudra mettre ces informations, c'est important. Mais si vous faites une demande d'autorisation, ne mettez surtout pas ça, puisque vous allez mettre donc carabine, fusil, revolver ou pistolet et son calibre. Mais ce n'est pas pertinent, puisque je vous rappelle que vous avez 6 mois pour utiliser votre autorisation, une fois que vous l'avez reçue. Et puis on ne sait jamais, vous pouvez avoir un problème financier ou tout simplement changer d'avis. Ce qui fait que si vous ciblez trop le calibre, etc. de l'arme, vous pouvez être bloqué si la préfecture en tient vraiment compte. Souvent, même quand vous renseignez, hein, ils n'en tiennent pas forcément compte, ils mettent une catégorie B basique. Voilà, donc n'en tenez pas compte, mettez juste la catégorie, donc B1, B4, etc. Mais ne mettez pas le calibre ni la nature, voilà, sauf en cas de renouvellement. Là, les munitions, c'est pareil, ne le mettez jamais, parce que de toute façon, par défaut, vous avez un nombre maximum de munitions qui est attribué. Ça sert à rien, que ce soit pour le renouvellement ou pour l'autorisation. Donc ça, je l'ai barré, pourquoi? Parce que c'est la session entre particuliers, et la session entre particuliers, suite au décret de 2018, n'existe plus vraiment, enfin du moins plus aussi simplement. Comme avant, on est obligé maintenant de passer par quelqu'un d'agréé, donc un armurier par exemple, pour valider, on va dire, cette session. Donc même pour des catégories C, on est obligé de faire ça d'ailleurs, c'est pas que pour la catégorie B. Donc pareil, hein, vous trouverez dans la description tout plein d'infos qui détailleront tout ça, mais voilà, la session entre particuliers n'est plus possible comme avant, sans rencontrer de personnel agréé. On a ici évidemment les motifs à cocher, donc nous évidemment dans le tir sportif, on va cocher pour le motif du sport. Ici, important également, donc vous allez devoir rayer les mentions inutiles, donc souvent on va rayer la mention « avoir été en traitement dans un hôpital psychiatrique ». Et on va aussi pouvoir rayer parfois « ne détenir aucune arme et munitions ». Forcément, si vous faites un renouvellement, vous allez barrer ça. Je me suis mis un petit 1, c'est une note à moi-même, puisque si vous faites une demande de catégorie B, votre première demande, même si vous possédez des armes de catégorie C, déjà vous allez mettre que vous détenez aucune arme et munitions. Puisque ça concerne la catégorie B, donc si vous détenez des catégories C, vous pouvez tout à fait rayer cette mention. Donc là, vous allez cocher ça si vous détenez déjà des armes, et vous allez devoir les renseigner au dos du document. On va y revenir après. Donc là, on retrouve les explications du petit 2, ici, hein, pour ce qui correspond à la calibre ou nature. Donc comme je vous disais, on a le C pour carabine, F fusil, R revolver et P pour pistolet. Ensuite, donc là, vous allez faire la liste des armes que vous possédez, qui avec leur catégorie, calibre, marque, etc. Il n'y a qu'à remplir. Pareil pour les autorisations. Donc là, on est dans le cadre d'un renouvellement. Hein. Donc vous allez mettre les informations de vos autorisations, les munitions. Encore une fois, c'est pas obligatoire. Vous pouvez le faire. Pas, c'est tout petit, mais il faut le faire. Et là, comme je l'ai dit au début, le conseil de l'adresse électronique et du numéro de téléphone. Ça, je l'ai barré. Pourquoi? Parce que vous voyez, c'est une partie réservée à l'administration, donc on n'y touche pas. Voilà. Donc, ici, on a l'annexe à la demande d'autorisation ou de renouvellement. Moi, j'ai surligné le renouvellement d'autorisation, tout simplement parce que cette annexe sert à rien en cas de demande, tout simplement, puisque c'est très précis. Vous voyez, vous pouvez mettre les longueurs de canon, etc. Comme je vous l'ai dit auparavant, dans une demande d'autorisation, on va mettre le moins d'infos possible pour ne pas être bloqué si jamais la préfecture en tient compte. Donc là, par contre, pour le renouvellement, c'est bien de remplir cette annexe, histoire de, voilà, de jouer vraiment franc jeu, carte sur table, de rien cacher et de bien renseigner surtout ces infos, puisqu'il ne faudrait pas qu'il y ait une erreur sur le renouvellement de votre autorisation, puisque sur votre autorisation, il y a beaucoup d'infos. Donc fournissez un maximum d'infos à la préfecture pour pas qu'ils se trompent et que vous ayez des ennuis derrière avec une autorisation qui ne correspond pas à une arme. Voilà, donc l'annexe, rien de spécial.
à préciser dessus, j'ai mis une croix ici pour dire qu'on peut évidemment imprimer plusieurs annexes hein, si on a beaucoup de choses à écrire, beaucoup d'armes à renseigner. Donc allez bien jeter un œil à la description puisque vous y retrouverez du coup toute la liste des pièces à fournir, vous y trouverez les liens sur les sites officiels voilà, qui expliquent la démarche pour trouver les Serfa, toutes les conditions, toutes les réponses à vos questions. Vous allez également trouver mon Instagram, la page Facebook, la boutique, etc. Donc allez vraiment consulter cette description, vous y trouverez plein d'infos utiles. Donc encore une fois, hein, l'administration et les documents comme ça, voilà, il n'y a pas officiellement malheureusement de démarche, de procédure exacte à suivre. Donc là, ce que je vous ai présenté, c'est selon mon expérience à moi, mon opinion et les recherches que j'ai pu faire. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires de manière intelligente et constructive, encore une fois, si je vous ai dit des bêtises. Voilà, ça aidera moi-même et tout le monde, évidemment. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la partager hein, pour aider ceux qui sont un peu en galère avec toute cette paperasse. Donc n'hésitez pas aussi à poser vos questions en commentaire, évidemment. Je tâcherai d'y répondre en faisant également le tri dans les réponses. Pour les réponses que je trouve vraiment qui induisent en erreur, les réponses qui sont vraiment de manière sûre fausses. Voilà, je ferai le tri pour pas induire les gens en erreur, ça serait dommage, ça serait contre-productif avec cette vidéo. Voilà, j'essaierai d'y répondre un maximum. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne louper aucun tuto de ce genre et d'autres vidéos qui peuvent parfois être bien pratiques. Allez vous abonner à mon compte Instagram, ça fait toujours plaisir, il y a des belles photos, il y a des infos, il y a pas mal de choses sympathique. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et portez-vous bien.